Les tiges de vos plantes sont molles, flasques, même un peu noires à certains endroits. Peut-être êtes-vous parmi la majorité des Québécois et Québécoises qui ont le coude un petit peu trop léger avec l'eau et qui arrosent trop ces plantes. Sachez d'abord qu'une plante va souffrir beaucoup plus d'un excès d'eau que d'un manque d'eau. Donc, dans le doute, mieux vaut passer un arrosage. Mais il y a des signes évidents que votre plante vous dit qu'elle a trop d'eau. Par exemple, s'il y a de la moisissure ou même des algues sur le dessus du terreau, c'est un signe qui est évident. Si les boutons floraux de vos plantes deviennent jaunes et tombent, c'est souvent aussi un signe d'un excès d'eau. Si les feuilles restent vertes ou noires et qu'elles tombent, c'est un autre signe. Le feuillage et même les tiges, si elles deviennent trop molles, ça peut être un signe d'un excès d'eau. Les racines qui vont pourrir et devenir noires. Et finalement, si vous voyez les sciarides, ces fameuses petites mouches qui ressemblent à des mouches à fruits volées autour de vos plantes, sachez qu'elles se multiplient dans un terreau qui est bien humide. Alors, c'est le dernier signe que vos plantes vous parlent et qu'elles vous disent que vous arrosez trop. Quoi faire si vous voyez ces signes pour sauver votre plante? Première chose à faire, c'est tailler tous les bouts de plantes qui sont vraiment tombés, qui sont trop mous et qui ne se relèveront pas. Tailler complètement ces tiges et ces feuilles-là. Deuxièmement, dépoter votre plante, enlever le plus de terre possible et remettez-la en pot dans un nouveau terreau qui, lui, sera sec. À ce moment-là, vous mettez plus de chances de votre côté de réchapper la plante. Mais malheureusement, souvent, quand les plantes sont trop arrosées depuis trop longtemps et que les racines sont noires, c'est le décès de la plante. Donc, mieux vaut être vigilant pour pouvoir agir rapidement.